Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, une petite expérience, vous allez voir, assez étonnante d'ailleurs, hein, avec une feuille de papier. Hein. D'accord? Alors là, j'ai pris quelques notes et je vous expliquerai les notes qu'il y a dessus. Alors, feuille de papier A4. Hein. Alors, cette feuille de papier, elle mesure en épaisseur quelques dixièmes de millimètre, mais on va considérer qu'elle mesure 1 mm d'épaisseur, hein, d'accord? On considère qu'elle mesure 1 mm d'épaisseur, c'est ça, 1 mm d'épaisseur, hein, c'est à peu près une dizaine de feuilles collées. Donc, pour faire l'expérience, on va imaginer que cette feuille, elle mesure 1 mm d'épaisseur. Et nous allons la plier en 42 fois. Donc, et on va trouver une distance incroyable. Je vous expliquerai la formule mathématique. C'est pas moi qui l'a trouvé, hein, mais j'ai trouvé ça sur le net et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir cette chose qui dépasse l'imagination. Alors, en pliant cette feuille comme ceci, en deux fois, donc je plie la feuille en deux, hein, et je vais continuer à la plier 42 fois, d'accord? Donc voilà, je l'applique. Alors là, j'ai une feuille pliée en deux, ça me fait deux feuilles, d'accord? Je replie une deuxième fois, hein. Donc je ne suis pas encore à 42, je suis à la deuxième fois, ça me fait quatre feuilles. Je replie ces quatre feuilles en deux fois, ça me fait huit feuilles, d'accord? Et je vais continuer comme ça jusqu'à 42 fois. Alors là, j'ai 4. On va continuer 5 fois. D'accord. 6 fois. Il faut que je le fasse 42 fois. 7 fois. 7 fois, vous voyez, déjà, c'est compliqué. Alors 8 fois, c'est impossible. Si quelqu'un y arrive un jour, ça sera vraiment magique. En l'appuyant 42 fois, on trouve la distance de la Terre à la Lune. Alors, la Terre à la Lune, vous allez pouvoir vérifier avec votre calculatrice et vous allez trouver que c'est vrai. Hein. Vous allez rien comprendre, car ni moi je ne comprends pas. Hein. Donc là, nous, on va faire le pliage 42 fois, mais en imaginant de l'avoir plié 42 fois et en utilisant une table à calculer. Je trouve cette distance, 439 805 km. Donc c'est un peu plus que la distance de la Terre à la Lune. Car 1 km, c'est 1 million de millimètres. En multipliant le pliage de la feuille 42 fois, on trouve ce chiffre ici. Hein. Donc alors, le chiffre, moi j'arrive pas à le lire parce que on est dans des milliards, en triards peut-être. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 chiffres et puis une virgule et 4. Avec la calculatrice. Hein. Donc on a vraiment, en pliant cette feuille 42 fois, en considérant qu'elle mesure 1 mm d'épaisseur, on a cette distance en millimètres qu'on divise par 1 million de millimètres. Hein. On va diviser ce chiffre pour trouver le kilométrage. On trouve 439 805 km en pliant simplement cette feuille 42 fois. Alors, physiquement, c'est impossible de le faire, d'accord? Mentalement, on arrive à le faire. D'ailleurs, quand on fait le calcul sur une calculatrice, on trouve vraiment ce chiffre. Simplement, avec une feuille de papier pliée 42 fois en considérant qu'elle mesure 1 mm d'épaisseur. Donc, il y a un truc qui ne va pas entre ce qui est physique et l'imaginaire. Il y a un fossé entre les deux et je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs. Donc j'ai fait ceci à quelques personnes que je connais, ils ne comprennent pas. Mais quand on fait le calcul réel, on trouve cette distance. Hein. Cette feuille, pliée 42 fois, mesure 439 805 000 km. D'accord? 1 mm, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, comme ça, 42 fois. Alors, faites le calcul et vous n'allez pas comprendre. Voilà, donc une petite expérience simplement de mathématiques. Quelqu'un a trouvé cette formule et j'ai trouvé ça par hasard sur le net et je me suis intéressé à cette chose car c'est vraiment intriguant. Hein. Voilà, messieurs, dames, à bientôt, au revoir.